Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô glorieuse Trinité, mes bien chers frères, tout en ce jour respire la gloire manifestée par la création, la rédemption et le salut des élus. Mais dans cette floraison liturgique, ces expressions de joie et de gloire, il reste, si on peut se permettre l'expression, une oubliée, une grande oubliée, l'épître de ce premier dimanche après la Pentecôte, qui désormais n'est plus célébré puisque l'ancien premier dimanche après la Pentecôte a disparu. Il est relégué en deuxième place. Vous pourrez le voir dans votre missel. C'est vrai que plus on avance dans la journée, moins il y a de missel dans l'assistance. Mais vous avez dans vos missels, après l'épître, après cette fête de la Trinité, vous avez normalement l'ancien premier dimanche après la Pentecôte. Pourquoi s'arrêter sur cette épître ? Nous avons un titre particulier pour nous de nous y attarder avec une curiosité toute surnaturelle et une piété filiale. Parce que c'est d'elle que Mgr Lefebvre a tiré sa devise, Credidimus Caritati. Vous n'ignorez pas qu'un évêque, en devenant évêque, devient un prince de l'Église. Et à ce titre-là, il doit choisir un blason et une devise. Regardez les armes épiscopales de Mgr Lefebvre et vous verrez en dessous écrit sa devise « Nous, nous avons cru en cet amour infini de Dieu pour nous, Credidimus Caritati ». C'est tiré de la première épître de Saint Jean au chapitre 4. Une devise, c'est important, car une devise, c'est une direction de vie, c'est un choix, c'est une manière d'éclairer sa vie pour soi-même. Une devise, c'est important, parce que pour tous les autres qui vous regardent, c'est un étendard, c'est un signe de ralliement. Et nous allons donc nous arrêter sur cette devise, car tous, sans exception, nous avons reçu de lui, de Mgr Lefebvre, même indirectement en deuxième génération, nous avons reçu quelque chose. Et peut-être au risque de déplaire à quelques personnes, qu'on ne me dise pas le contraire, ceux qui l'ont abandonné, Mgr Lefebvre, ceux qui ont peur aujourd'hui encore de suivre sa voie, ceux qui tergiversent avec les autorités libérales, ceux qui apostasient volontairement par modernisme, eux aussi utilisent un référentiel dans la crise de l'Église, et ce référentiel, c'est Mgr Lefebvre. Car dans les 50 dernières années, aucun évêque n'aura laissé une marque comme la sienne. Vous voyez, si, à titre d'exemple, si on prend les discours des évêques de France de ces 50 dernières années, ni l'anticolonialisme primaire des années 60, ni la dialectique entre pauvres et riches qui ensuite a occupé leur esprit, ni l'accueil de l'altérité des années 2000, ni les discours climatiques sur la planète, non, il ne restera rien. Rien de ces évêques, même leur haine invétérée pour tout ce qui rappelle la tradition de l'Église éternelle. Pourquoi ? Parce que ces discours n'ont rien d'épiscopal, résonnent avec platitude, par naturalisme. En somme, ils font sentir une sorte de châtiment divin, de cécité divine et d'impossibilité de parler. Et nous, qu'avons-nous entendu ? Pourquoi cette petite fraternité, la fraternité Saint-Pédis, fragile, malgré ses faiblesses, demeure ferme dans ce combat de géant ? Credidimus Caritati. De Mgr Lefebvre, nous avons reçu la foi. Et pour nous, la foi a été transmise, encouragée, consolidée par cet évêque. Et nous avons la foi avec certitude. Vous savez très bien que depuis les origines, non seulement du christianisme, mais de manière antécédente, comme c'est raconté dans les Épîtres, depuis l'appel d'Abraham, l'appel de tous les justes dans l'Ancien Testament, la foi, toujours la foi totale, indéfectible, sans concession à l'erreur, c'est toujours la foi qui a toujours été un bien qui a appartenu à un petit reste,
Mais ce petit reste a toujours été victorieux malgré les embûches du démon. Oh, on a eu l'impression, quelquefois, d'avoir écrasé et d'avoir fait disparaître de l'horizon les gens qui avaient la foi. Et pourtant, c'est toujours la foi et la vraie foi indéfectible qui renaît. Eh bien, cette foi, nous l'avons reçue. Nous avons cru en la charité de Dieu. Nous avons eu cette foi dans l'essence même de ce qu'est la nature de Dieu. Et regardons un peu cette épître. Allons un peu plus loin. Comment commence-t-elle ? Dieu est amour. Une définition, mais une définition de vie. L'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En somme, parce que Dieu est amour, il a envoyé son Fils dans le monde. Pourquoi a-t-il envoyé son Fils dans le monde ? Pour que nous vivions. Et il n'y a pas d'autre voie. Connaît-on un autre Dieu équivalent ? Existe-t-il un Dieu qui ne dépend que de notre conscience, de notre bon vouloir ? Y a-t-il une sorte de liberté religieuse à choisir et s'accommoder un Dieu ? Non et encore non. Dieu est substantiellement amour et il a révélé son amour d'une seule façon, par son Fils unique. Alors on ne s'étonne plus des combats de Mgr Lefebvre à Vatican II, car le problème est là, fondamentalement. Y a-t-il liberté religieuse ? Transcende-t-elle l'amour de Dieu, la révélation de Dieu et le Fils unique envoyé sur la terre ? Il n'y a pas de liberté de l'homme qui puisse se dresser face à cette grandeur de Dieu qui s'est révélée par amour. Et pour nous, quelle force ! Pour nous, quel enthousiasme ! Quelle consolidation de notre foi ! Il n'existe pas d'autre chemin de vie. Celui qui, dans sa vie trinitaire, est amour, il n'y a que lui qui puisse nous sauver. Alors poursuivons encore cette épître. L'amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés le premier et qui a envoyé son Fils comme une propitiation pour nos péchés. Nous en tirons deux idées qui sont aussi au cœur de notre foi. L'initiative vient de Dieu. Tout était perdu. Rien ne pouvait être racheté. Il fallait que Dieu, par sa propre décision, vienne. Et il fallait une propitiation, c'est-à-dire se rendre Dieu propice. Il fallait un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire expier, payer les péchés pour nous rendre Dieu propice. Voilà ce qui est écrit en toutes lettres. C'est le grand Saint Jean qui le dit. Regardez dans le monde moderne combien la notion de péché, la notion de sacrifice expiatoire a disparu. Et nous avons connu l'amour de Dieu
l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru, credidimus caritati. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Quelle page extraordinaire, quelle page qui résume tout, quelle page qui apporte des réponses à toute cette grande crise de l'Église, qui nous montre où est la vérité. Poursuivons cette lecture, poursuivons encore quelques lignes de cet épître. Bien-aimés, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est parfait en nous. Et saint Jean ajoute, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et là aussi, en quelques mots extrêmement synthétiques, nous avons résumé après cette foi en l'amour de Dieu, cette espérance en la propitiation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons là ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire la charité effective, la charité qui se réalise dans l'amour du prochain, mais qui est pour nous une visibilité de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu qui a donné sa vie pour nous que nous aimons le prochain et que nous voulons le conduire à la foi et que nous voulons par notre attitude que ce soit un témoignage de l'amour de Dieu et que cela le conduise à Dieu. Nous sommes donc obligés d'aimer notre prochain pour imiter notre Sauveur. Voyez comment en quelques lignes dans lesquelles sont insérées ce credidimus caritati, nous avons eu foi en la charité, comment est résumée la totalité, le cœur de la vie chrétienne. Et en tenant ferme sur ces principes, en tenant ferme sur ce credidimus caritati, alors nous avons un étendard, un véritable étendard, car il n'est plus possible de transiger sur la foi, il n'est plus possible de chercher d'autres charités que de conduire au Sauveur, il n'est plus possible d'espérer en d'autres choses sur la terre alors que Dieu nous a promis le ciel et l'union dans la charité. Avec cette devise, on peut traverser les tempêtes du monde, on peut trouver une réponse au milieu des mystères de la vie, on trouve la paix intérieure, on trouve la source de la joie avant d'en profiter pour l'éternité. Alors sachons être fidèles à ce que nous avons reçu. Tâchons, nous, à notre tour, de vivre dans ce sillage, de suivre cet étendard magnifique, credidimus caritati, nous avons eu foi en la charité éternelle de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.